êtes une fille, mais en légitime mariage, que j'avais muni dignement des sacrements de baptême et de confirmation. Je l'avais élevée dans la crainte de Dieu et le respect de la tradition de l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. Si bien qu'ayant grandi au milieu des champs et des pâturages, elle fréquentait beaucoup l'Église et recevait chaque mois le sacrement de l'Eucharistie. Et se livrait au jeûne et aux prières avec grande dévotion et ferveur pour les nécessités alors si grandes où le peuple se trouvait et auxquelles elle compatissait de tout son cœur. Pourtant, bien qu'elle n'ait jamais pensé, conçu ou fait quoi que ce soit qui l'écarta de la foi, certains ennemis l'ont fait traduire en procès de foi. Et malgré ses récusations et appels, sans qu'aucun secours ait été donné à son innocence, sans nombre de droits, l'ont condamné de façon damnable et criminelle, et l'ont fait mourir très cruellement par le feu, pour la damnation de leur âme, et en irréparable dommage porté à moi, Isabelle, et au mien. Qu'est-ce que c'est? C'est toi, Laxar? Tu me ramènes cette petite peste? Monseigneur, mon capitaine, pardonnez-moi, pardonnez-la. Monseigneur, écoutez-moi. Toi, tais-toi. Je ne veux pas t'entendre. Je parle à ton oncle. Oui, à toi, l'homme de Buret. On te tient pour un brave homme. Un bon mari, un type solide. Oui, monseigneur. Eh bien, ça va pas durer. Dis-moi un peu, elle t'a ensorcelé cette petite oie? Ou bien tu es ramolli du cerveau pour oublier mes ordres et revenir ici avec elle? Il y en a une autre, mon capitaine. Pardonnez-moi, qu'elle n'a pas changé d'idée. Dis-moi, tu changes d'avis comme de chemise? Il y a 6 mois, j'ai eu la bonté d'écouter cette bêtise. Qu'est-ce que je t'ai dit alors? Monseigneur, mon capitaine, je vous ai obéi. Qu'est-ce que je t'ai dit? De la ramener chez ses parents. Oui. Après l'avoir copieusement giflé. Si tu l'avais fait, je ne serais pas là en train de perdre ma salive avec une bûche comme toi. Une bonne paire de gifles, j'aurais dû le faire moi-même. Il rigolait. Ça devait se passer comme ça. La traité de bûche. La troisième fois sera la bonne.
bientôt prêt. Jeanne ? Elle est passée encore. Avec ma femme, tiens. Veux-tu qu'elle soit ? À savoir avec elle, on peut pas la tenir. Jeanne ? Catherine ! Porte la bouteille et deux verres, ils s'en vont. T'es sourde? C'est pas la peine. Je veux qu'on soit rentré avant la nuit. Pour la route, quoi. Il est de l'année. Au revoir, mon oncle. Qu'est-ce que tu dis? Je ne pars pas. Ne me regarde pas comme ça. J'ai honte, mais je dois rester. La fête des fous, c'est terminé. Je ne suis pas folle. Et ton père? Tu as pensé à ton père? Qu'est-ce que je vais lui raconter cette fois? Dis-lui la vérité. Henri, aide-moi. Je voudrais la battre et je peux pas. Catherine m'a dit que vous pouviez me garder. Les femmes, choléra. Ne dis pas du mal des femmes, Henri. Sans elles, tu serais qu'une arme de foot sur la culotte de ton père. Les trois mouches t'auraient bu. Allez. Peut-être quand même boire un coup. Je sais bien que je vous ennuie. Mais moi aussi, je suis dans la peine. Depuis longtemps. Alors pourquoi tu t'obstines, malheureuse? Je ne m'obstine pas. J'obéis. Elle obéit. Tu m'obéis. Pas à toi, mon oncle. Pardonne-moi. Elle parle par énigme. Je n'y peux rien. Je dois aller en France et voir le dauphin. Le royaume est en péril. Et c'est moi, personne d'autre qui peut le sauver. Je sais, on verra plus tard. En attendant, il faut rentrer. Pourquoi vous ne la croyez pas? Vous n'avez pas entendu parler de la prophétie? Quelle prophétie? Celle qui dit que le royaume qui a été perdu par une femme sera sauvé par une vierge des marches de Lorraine. Oui, on dit ça en Lorraine. En Champagne, on dit autre chose. Mais c'est vrai, tout le monde connaît ça. Vous n'y croyez pas parce que vous avez peur d'y croire. C'est comme ça que vous perdez. Et que le royaume est en ruine. Écoutez-la. Écoute comme elle parle. Personne ne parle comme elle. C'est de l'or qui coule de sa bouche. Tout le monde voudra l'écouter. Ils viendront tous chez nous. Oui, tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Et on les nourrira. Tu veux que je te dise? Tu es trop bête. Elle dormira avec moi, voilà. Je renonce. Je vais chez ton père. Il va me transpercer. Tu sais bien que non. Il va pleurer. Et ma mère va pleurer. Et toi aussi. Et puis moi aussi, en pensant à vous. La Meuse va déborder. Je reviendrai, Jeanne. Tu ne m'embrasses pas? En un an, j'en ai pris 10. Et Jeanne est restée dans ma maison l'espace de 3 semaines. Le temps lui durait, comme à une femme enceinte d'enfant, qu'on la conduise vers le dauphin.
sur le coffre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Rien, elle bouge pas. Elle a les yeux qui brillent, les lèvres qui remuent. Elle parle, elle dit quelque chose. J'entends rien. Ses joues sont rouges, mais rouges, on dirait de l'émail. Il y a une lumière qui sort d'elle ou quelque chose? Non, juste la lumière de la lampe. Appelle-la. Appelle-la toi. Quand elle est comme ça, moi, j'ose pas. C'est la sixième fois qu'elle chante et elle a toujours pas bougé. Jeanne, tu viens manger? C'est prêt. Elle a entendu? Je sais pas. Elle bouge toujours pas. Je dis pas que Baudricourt n'est pas un bon capitaine. Je dis qu'ils vont pas en rester là. Tu crois qu'ils vont revenir à l'attaque? Après leur échec de l'autre mois? On est la dernière enclave royale dans le Barrois. Alors ils vont pas nous lâcher. Ils sont autour de nous, tout autour. Comme à Orléans? Ouais, comme à Orléans. Ou presque. J'aimerais pas être là-bas. Ici, on respire encore. Eux, ils sont encerclés comme un tonneau. Ça doit pas être drôle. Par février, il gèle encore sur la Loire. Si le gel est sur la Loire, c'est un grand danger quand le soleil le réchauffe. On a vite fait de passer au travers et de se noyer. Je l'ai vu. J'étais dans les troupes du roi quand j'étais jeune. Je sais, Jacques. Pas le dauphin. Son père, le fou. Tu t'es battu? Tu as porté les armes? J'étais au fourrage. On a été partout. Jusqu'aux marches de Bretagne. Tous les guets, tous les ponts d'ici à Bourges, je les connais. J'ai vu des bêtes sauvages, j'ai vu des brigands. T'as entendu parler des écorcheurs, Pucelle? Hé, hey, tu dors? Je te parle. C'est vrai ce que tu dis là? Tu connais la route d'ici à Bourges? Tu saurais aller jusqu'à Chinon? Tu saurais y aller? C'est pas une promenade à faire par les temps qui courent. Avec les godons, les bourguignons. Attention à toi, Jacques-Alain. Elle embrigade tout le monde. Bonjour, mon oncle. Alors, t'es de retour? Tu t'ennuyais à Buret? Quand je vois ton père, j'en peux plus te mentir. Je préfère encore être avec toi, dans la faute. Alors, va jusqu'au bout. Viens avec nous à Chinon. Il nous guidera. Qui? Moi? Tu n'as pas envie de voir le dauphin? Le roi de Bourges? Risquer d'être écorché et taillé en pièces pour aller s'agenouiller devant un malheureux, qui aura même plus le bout de royaume qui lui reste quand on y sera, si ça se trouve. Il te couvrira de bienfaits. Tu rêves debout. Regarde-toi. Regarde-nous. Si on arrive jusqu'au château du roi, tout malheureux qu'il est, on pourra même pas l'approcher. Voir. Faut que j'aille à Chine. Aidez-moi jusque-là. Pour le reste, c'est l'affaire du ciel.
On est dans un coquillage. C'est pas le temps des pèlerinages. Jack, garde-nous sur la bonne route. Mis comme il faut pour aller bon train, t'as pas dit qu'il fallait faire vite? J'espère qu'ils vont pas me jeter dans le fossé. J'ai encore jamais fait courir un cheval. À 12 sous, on est prié d'être vif et obéissant aussi. Fatigué, Jeanne. Saint-Nicolas, c'est juste derrière. On y est avant la nuit. On doit rentrer à vos couleurs. Tu penses que ton oncle et moi, on est trop vieux, c'est ça? Non. C'est pas comme ça qu'il faut partir. J'ai besoin de quelqu'un qui parle pour moi au dauphin. Il y a le capitaine de vos couleurs. Il y a que lui. Lui seul. Comme tu es, ma Jeanne. Tu cours, tu t'arrêtes. Tu pars, tu rebrousses chemin. Il y a que je sais ce que je dois faire. Et que parfois, je sais pas comment le faire. Encore là? Si toutes mes paroissiennes étaient comme toi, je n'aurais plus de soucis à me faire pour le salut de leur âme. Confession. Vous m'avez dit que je péchais contre la prudence. Il y a une chose que je ne t'ai pas dite. C'est que tu discutes trop aussi. C'est un péché? Va. Reprends ta prière. Tiens, qui creveux là? Allez, Oust! Rentre chez toi! On ne veut pas de toi ici. Ouais. La pucelle qui veut sauver le roi. J'en connais un qui irait bien lui demander un petit peu de secours, lui aussi. Ouais. Il s'appelle Popol. Et il est pas plus gros que mon petit orteil. T'approches pas d'elle, hein. Le capitaine t'arracherait la peau du cul. Il est interdit qu'on lui parle, sous peine des fers. Ce qui s'applique à vous ne s'applique pas forcément à moi. Alors, ma belle, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Tu ne sais donc pas que le roi va être chasseur de France et qu'on va tous être anglais. Mais vous, qui êtes-vous? On m'appelle Jean de Metz. Je suis écuyer au service de Robert de Baudricourt. Eh bien, moi, je suis venu ici, dans cette ville qui est une place royale, justement pour lui parler.
qu'il me conduise ou me fasse conduire auprès du roi. C'est ce qu'on dit, oui. Et je parie qu'il n'est pas d'accord. Il fait pas attention à moi. Pourtant, avant la mi-carême, il faut que je sois auprès du roi. Même si je dois m'y user les pieds jusqu'aux genoux. Il le faut absolument. Et alors, même si tu y arrivais auprès du roi, qu'est-ce que ça changerait? Même le roi d'Écosse avec toute son armée, il peut rien pour lui. Alors? Même sa mère qu'il a déshéritée. Et quand Orléans sera tombé, pht, sauf qui peut. Bonjour les Anglais, God damn, ton cue, farewell. Vos gueules. Qu'est-ce que tu réponds? C'est comme ça. Il n'y a personne au monde. Personne. Ni duc, ni prince, ni fille du roi d'Écosse, qui peut recouvrer le royaume de France. Il n'aura pas secours si ce n'est de moi. Si ce n'est de toi. Vraiment. Je sais bien que c'est pas mon état. J'aurais préféré mille fois rester à la maison, à filer et à coudre avec ma mère. Surtout que je coude drôlement bien. Mais il faut. Il faut que j'aille, que je le fasse. C'est mon seigneur qui le veut. Tu parles de ton seigneur? Le mien, c'est Baudricourt, le capitaine de cette ville. Qui est le tien? C'est Dieu, le roi du ciel. Tu veux partir quand? Plutôt aujourd'hui que demain. Plutôt demain qu'après-demain. Je parlerai à notre capitaine. Et si Dieu nous aide, je te conduirai moi-même auprès du roi. Et beaucoup d'autres, jour après jour, croyaient en ces paroles. Si bien que le duc Charles de Lorraine, qui était malade, voulut la voir. Et Jeanne alla vers lui avec un sauf-conduit dans sa ville de Nancy. Et 3 jours plus tard, elle revint dans vos couleurs. Regarde. Non! 4 francs d'argent? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rien dit. Enfin, je lui ai demandé de... Henri! Viens voir! Regarde ce qu'il lui a donné. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Je lui ai demandé une escorte pour aller en France. Lui, il croyait que je voulais le guérir de sa maladie. C'est pour ça qu'il voulait me voir. Et tu l'as guéri? Ben non. C'est surtout qu'il est plus très jeune. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oh! Elle est là! Viens avec nous, toi! Vas-y. Reste là. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Si cette fille est mauvaise, qu'elle s'éloigne de nous. Si elle est bonne, qu'elle s'approche. Vous voyez ? Bon. Puisque c'est comme ça, puisque tout le monde le veut, tu l'auras ton escorte. Ah bah c'est pas trop tôt. Et vous qui me faites un exorcisme, alors que vous m'avez encore confessé ce matin. Je sais. C'était pour lui. Je te donne Jean de Metz. Ça te va ? Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Il ne parle plus que de toi. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que je sois un garçon. Mais c'est pas possible, regarde, c'est tout de travers, on dirait un épouvantail. Aide-moi. Viens là. Il me faut des choses. Et une veste. Pas une veste, un pourpoint. Attends voir, qu'est-ce qui serait bâti comme toi ? Je sais. Marie va te donner celui de son fils qui est malade. Il est couché depuis à Saint-Jean. Il est tout neuf, son pourpoint. Oh, ça me fait tout drôle de t'imaginer en gars. Tu peux pas garder ces galoches ? Il faudra un manteau. Pierrot, le voisin, te donnera le sien. Il est de ta taille.
connais Jean. Lui, c'est Bertrand de Poulangy, un bon écuyer. Lui, il est messager du roi, Collet de Vienne, il vous guidera. Et puis voilà Richard, l'archer. Jurez, devant elle, que vous la conduirez bien et sûrement à Chinon vers notre roi. J'en fais le serment. Un instant. Pour toi. Merci, capitaine. Va. Va. Et advienne que pourra. Au sortir du pays, ce premier soir, nous avions peur à cause des soldats bourguignons et anglais qui régnaient par les chemins. Et nous fîmes route pendant toute la nuit. Allez de l'avant, on vous rejoint. Ne tardez pas. Juste le temps de croiser le jet. Elle se prend déjà pour notre capitaine. Ouais, elle fait la fière. Seulement tout à l'heure. Quand on va dormir ensemble à la paillade. Hein? Ne dis pas que tu y as pas pensé. Comme ça? Elle va dormir avec nous. Tous les deux. Bah ouais. Entre gentils hommes. Faut se tenir chaud. T'as déjà touché aux femmes, toi? Je parie que non. Pas trop. Bah c'est le moment, mon vieux. Elle peut bien s'habiller en homme. Elle a tout ce qu'il faut. Pucelle ou pas, avant la fin du voyage, on te l'aura visité par tous les trous. Arrête! Tu me fais pisser sur mes braies. Ton petit oiseau qui veut s'envoler. Saligo, tu triques déjà.
C'est vide. Et il y a encore de la paille. Toi, tu montres à la garde. Jean te relèvera au milieu du jour. Tu dors pas. Et toi? Je ferme l'œil. Je vois l'ennemi qui nous tombe dessus. Moi, pareil. Regarde là. On dirait un ange. Je vais être puni, c'est sûr, pour toutes les saletés que j'ai dites. Je donnerais tout. Je donnerais tout pour avoir tenu ma gueule fermée. Quelle tête vous faites? Vous avez bouffé une limace? T'as pas entendu quelque chose qui craquait? Rien du tout. Allez, soyez sage. Il faut dormir. De quoi vous avez peur? Nous? Peur? On n'a pas peur. De quoi, des godons? On les entendrait venir. Vous n'entendrez rien venir. Quoi? Parce que rien ne viendra. Fiez-vous à moi. Dormez. Ça. Oui, très bien. Elle a l'air légère dans ta main. Elle l'est pas. Attention, là, tu frappes du plat. Je veux tuer personne. Des baffes et des torchons, tant que tu veux. Comme ça? Aïe. Comme ça, ça doit faire mal. Oui, hein. Ça fait très mal, oui.
sais, j'ai gravement péché contre toi. Toi ? C'est grâce à toi que je suis partie. Ça te vaudra le paradis. Je crois que tu es vraiment de Dieu. Tu en doutais ? Non. Non, non. Non, non, non. Et nous demeurâmes en chemin l'espace de 11 jours, traversant les rivières et chevauchant jusqu'à la ville de Chinon. Et faisant chemin avec elle, je lui demandais si elle ferait ce qu'elle disait. Et la pucelle nous disait toujours de ne pas avoir peur, qu'elle avait mandement de faire cela. Ils ont tout pillé. Il y a trop de jours que je n'ai pas ouï messe. Quand même, ce sera possible. Jeanne. Jeanne. Laisse-la. Ça la reprend. C'est toujours au moment où on va casser la dalle. Pas du tout. Ça la prend tout le temps. Je vais te dire quelque chose, ça me rassure. Parce que comme ça, au moins, on sait où on va. Si on devait compter que sur toi... Vas-y, dis ce que tu penses. Je ne suis pas un bon guide. Si, si. Seulement, t'es pas toujours très clair. Chut. Faut pas la déranger.
Ce village, tu le connais? Oui. Mais depuis le temps, je ne sais pas. Je veux y aller. Il faut que j'entende la messe. Je ne sais pas. Tout bouge très vite ici. Tantôt ami, tantôt ennemi. Alors? Tu sens le bourguignon? Ou l'armagnac? Prenons par ici, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Oui. Ennemi, y est peut-être. Mais Dieu y est sûrement. Je croyais que la troisième messe était plus courte. Vu le nombre de fois que la clochette a sonné, elle devrait bientôt être là. Gagné. Il y a combien d'ici à Chinon? Moins d'une demi-journée. Prends du papier. Écris. Gentil dauphin, faites bon accueil à la pucelle. J'ai fait 150 lieues pour venir vers vous. De par le roi des cieux. Et ben, tu écris? Il faut que j'écrive ça? Ben oui. Puis tu partiras aussitôt. Il faut bien que le dauphin sache qu'on arrive, non? Je reprends. Gentil dauphin. Faites bon accueil à la pucelle. Quand nous arrivâmes à Chinon, à l'auberge où nous logions, on lui fit demander pourquoi elle était venue et ce qu'elle demandait. Certains des conseillers disaient que le roi ne devait pas lui prêter foi. Et les autres, que comme elle disait qu'elle était envoyée de Dieu, le roi devait au moins l'entendre. Le troisième jour, après que fut venu au château un messager de Robert de Baudricourt, on vint la chercher. Suivez-moi. Je crois, pucelle, qu'en haut, nos routes vont se séparer. Et moi, je crois qu'on se retrouvera là-haut. Adieu, mes amis. Je durerai un an, bien plus. Il faut que je travaille bien. Dieu vous donne longue vie, gentil dauphin. Pourquoi moi? Regarde comme je suis vêtu. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin? Je sais que c'est toi, le vrai héritier de France et fils de roi. Que veux-tu?
Qu'attends-tu de moi? Très noble, seigneur dauphin. Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume. Comment t'appelles-tu? J'ai nom Jeanne la Pucelle. Et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims. Je veux parler seul avec toi. J'ai grande confiance en elle. Jeanne m'a dit un secret que nul ne peut savoir, à l'exception de Dieu. Oui, j'ai foi en elle. Je veux qu'elle soit logée ici, ce soir même, dans la tour du Coudray. Qu'elle soit mise en la garde du maître de ma maison. Gaucourt. Qu'on lui donne un page. Voici Louis de Coude, sire. Lorsque son père, Jean de Coude, qui était chambellan du duc d'Orléans, vint à mourir, le duc m'a confié l'enfant pour que j'en fasse un page. C'est un bon page. Vos semelles sont-elles bien solides, Jeanne? Elles m'ont déjà fait faire un bout de chemin. Moi, je n'ai plus que celles-là. Elles sont bien fatiguées. À moins que Monseigneur ne consente à me faire une nouvelle avance. Vous me devez déjà 1000 écus d'or, sire. Je peux y ajouter les 12 que voici. Ce sera autant de moins pour les frais de la guerre. Voyez, Pucelle, le grand cas que l'on fait du dauphin de France. Où est-elle? Déjà de retour dans nos riches provinces? Je chassais l'écaille.
On est venu m'annoncer qu'une pucelle est arrivée, qui dit qu'elle va sauver le royaume. C'est ce qu'elle dit. Et où est-elle? Je n'ai jamais vu fille accomplir un tel exploit. Qui est ce seigneur? C'est le duc d'Alençon. Le noble cousin de notre roi. Vous, soyez le très bienvenu. Plus ils seront ensemble du sang royal de France, mieux ce sera. Moi, Regnault de Chartres, archevêque de Reims, chancelier de France et conseiller du roi, je dis qu'il convenait d'interroger la pucelle sur certains points touchant la foi. Le roi voulut que Jeanne aille en la ville de Poitiers pour être examinée. Elle fut logée dans la maison de maître Jean Rabateau, alors avocat du roi au Parlement. Elle y resta plus de 3 semaines. Et pour cet examen furent choisis par moi maître Pierre de Versailles, ancien docteur de l'Université de Paris, maître Mathieu Ménage, maître Guillaume Emery, frère Seguin Seguin, alors doyen de la faculté de Poitiers, et d'autres dont je ne me souviens pas. Sais-tu pourquoi nous sommes ici? Pour m'interroger. C'est mal dit. Nous sommes ici pour éprouver ta bonne foi. Que tu crois œuvrer pour le bien ou que le mal te guide, nous le saurons. De même que les maladies internes doivent se pousser au dehors, le mal dissimulé doit faire quelque éruption visible qui le manifeste. Et le bien éclaircir les ombrages et les soupçons qui l'environnent. On m'a déjà examiné à Chinon. C'est exact. Tes réponses ont été trouvées pertinentes. On t'a reconnu dévote, sobre, tempérante, coutumière une fois chaque semaine des sacrements de confession et de communion. Ça n'est pas assez. Nous devons en savoir plus sur toi.
Tu portes l'habit d'homme et les cheveux coupés. Ce n'est pas conforme à ta condition. C'est condamné par l'apôtre. La loi judiciaire, morale et religieuse l'interdit formellement. Je ne sais rien de tout ça. J'ai pris l'habit qui convenait pour ce que je dois faire. Je n'ai pas eu révélation que ce n'était pas bien. Ces révélations, d'où crois-tu les tenir? De qui les tiens-tu? De Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. D'où tiens-tu que c'est eux? Ils me l'ont dit. Tu ne serais pas la première à recevoir des songes inspirés par la terre. L'animalité, la diabolicité, c'est-à-dire par l'avarice, la luxure et l'orgueil. De tous les personnages qui t'apparaissent, lequel est venu le premier? Saint-Michel est venu le premier. J'avais 13 ans, ou environ. Il n'était pas seul. Il était entouré de bien des anges du paradis. As-tu vu les anges corporellement et réellement? Je les ai vus de mes yeux corporels, aussi bien que je vous vois vous-même. Quand ils s'éloignaient, je pleurais. J'aurais bien voulu qu'ils m'emportent avec eux. Quelle était la figure de Saint-Michel? Avait-il une couronne? Je ne lui ai pas vu de couronne. Je ne sais rien de ses vêtements. Avait-il des cheveux? Je ne sais pas. Avait-il des balances? Je n'en sais rien. Comment as-tu reconnu que c'était Saint-Michel? De parler. Il me parlait le langage des anges. Des anges qui l'entouraient? Comment sais-tu que c'était des anges? Je crois fermement que c'était des anges. Mais c'est l'ennemi qui trappe vos formes, ou bien tout figure d'ange. Comment ça, ombriothèque, que vous essayez? Ce n'est pas ça le langage des anges. Si l'ennemi prenait la forme ou la figure d'un ange, comment reconnaîtrais-tu que c'est lui? Je saurais bien si c'est Saint-Michel ou une chose qui le contrefait. La première fois... Continue. La première fois, je fus en grand doute. J'ai eu peur. Je l'ai vu beaucoup de fois avant de savoir que c'était Saint-Michel. Quand était cette première fois? Je vous l'ai déjà dit. J'étais jeune enfant. Et j'avais peur de ce que je voyais. Mais ensuite, il m'enseigna et me montra tant de choses que je crus fermement que c'était lui. Que t'enseignait-il? Il me racontait la pitié du royaume de France. Il me disait de quitter mon pays et de venir en France. Et que je me porterais au secours du dauphin de France. Tu en as sans doute éprouvé fierté et contentement. J'ai commencé par pleurer. Alors la voix m'a dit d'aller à vos couleurs et que là je trouverais un capitaine qui me conduirait auprès du dauphin et que je ne devrais avoir aucune crainte. Pourquoi appelles-tu le roi dauphin et non roi ?
Je n'appellerai pas roi tant qu'il ne sera pas couronné et sacré à Reims, où je dois le conduire. Comment était la voix? La voix était douce. Quel langage parlait la voix? Quel langage parlait la voix? Meilleur que le vôtre. Crois-tu en Dieu? Oui. Mieux que vous. Un homme d'armes, ça change. J'aimerais bien avoir beaucoup d'hommes comme vous. Vous êtes venu m'interroger aussi? Je ne sais ni A ni B. Je suis envoyé vers toi de par le roi pour être ton intendant. On m'appelle Jean Dolon. Et les chefs de guerre anglais, comment les appelle-t-on? Orléans, il y a Suffolk, Glasdale et William Poole. Et leur chef, le duc de Bedford, qui se dit régent de France et d'Angleterre. Pourquoi? Vous savez écrire? Oui, bien sûr. Prenez de l'encre et du papier. Roi d'Angleterre. Et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France. Vous, Suffolk, Clasidas et la poule, rendez à la pucelle qui est ici, envoyée de par Dieu, les clés de toutes les bonnes villes qui ont été prises et violées en France. Vous tous, archers, compagnons de guerre et gentilshommes, vous qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en à votre pays. Et si vous ne le faites, attendez les nouvelles de la pucelle qui vous ira voir bientôt à votre très grand hommage. Roi d'Angleterre, si vous ne le faites ainsi, je suis chef de guerre. Et en quelques lieux que je rencontre vos gens en France, je les en ferai partir. S'ils ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre. Je suis envoyée ici de par le roi du ciel, corps pour corps, pour vous chasser hors de toute la France. Vous, duc de Bedford, la pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous fassiez pas détruire. Faites réponse si vous voulez la paix dans la cité d'Orléans.
Sinon, vous vous en souviendrez bientôt. Écrit ce mardi de la semaine sainte. Et vous signez pour moi, la pucelle. Jeanne, je te le redis une fois de plus. Dieu ne veut pas qu'on croie en toi si tu ne donnes pas un signe. Un signe? Par quoi nous pourrons croire en toi? Je ne suis pas venue à Poitiers pour faire des signes. Tu t'imagines qu'on va conseiller au roi de te confier des hommes d'armes? Simplement parce que tu le demandes? Pour que tu les mettes en péril? Conduisez-moi à Orléans. Et je vous montrerai les signes par quoi j'ai été envoyée. Donnez-les-moi, ces hommes d'armes. Et je vous montrerai les signes par quoi j'ai été envoyée. Selon toi, Dieu veut délivrer le peuple de France de ses calamités. Mais s'il le veut, il n'y a pas besoin d'hommes d'armes. Sa volonté suffit. En nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront. Et Dieu donnera la victoire. Voici mes signes. J'irai à Orléans. Et je dis que les Anglais seront défaits. Et le siège sera levé. Et la ville sera libérée. Ensuite, le dauphin ira à Reims. Et il y sera sacré roi. Ensuite, Paris reviendra dans l'obéissance au roi. Et enfin, le seigneur d'Orléans reviendra d'Angleterre où il est captif. Je ne dirai rien de plus. Praedictiones facit. Si vera sunt, ad domino factum est istud. Tu peux sortir. Nul mal n'étant trouvé en elle, le roi ne la doit point empêcher d'aller à Orléans avec ses hommes d'armes. Mais il doit la faire accompagner honnêtement en espérant en Dieu. La dédaigner ou la délaisser serait répugner au Saint-Esprit et se rendre indigne de l'aide de Dieu. Le rapport fait au roi par les docteurs de la foi, Jeanne fut remise entre les mains de la reine de Sicile, Yolande d'Aragon,
mère de la reine, notre souveraine dame, et les dames de Preuilly et de Mortemer, par lesquelles cette pucelle fut secrètement regardée et examinée dans les secrètes parties de son corps. Je savais déjà, avant elle, qu'il n'y a rien de mal en toi. Ils me prenaient pour un garçon. Ils ont besoin de preuves. Tu as rempli l'esprit du dauphin d'Azel tout neuf. Mais il n'est pas roi encore. Charles avait 11 ans quand il a épousé ma fille, Marie d'Anjou. Depuis, je veille sur lui comme si j'étais sa mère. Tout mon vouloir, tout mon pouvoir, je les mets à ramener la force et la sagesse. Mais je me sens seule. Et voilà que tu arrives. Le royaume de France n'est plus qu'un haillon plein de trous, prêt à se défaire. Plus à Dieu qu'avec toi. Nous réparions enfin les grands dommages causés par la reine Isabelle. Je te seconderai. La vaisselle d'or, je l'ai transformée en armes et en vivres pour tes soldats. Baudricourt ne s'est pas trompé. Pourquoi parlez-vous de lui, madame ? C'est par lui que j'ai su que tu viendrais. Il ne m'a pas cru tout de suite. Et maintenant, on me laisse partir et faire ce pour quoi je suis venue. À Tours, tu trouveras une armure commandée par mes soins. Et la route t'attend, avec des combats bien plus redoutables que ceux qui se livrent par la parole. Oh, ça me fait pas peur. Va, Jeanne. Et que Dieu te garde. J'ai suivi Jeanne en la ville de Tours. Là, une armure fut faite à ses mesures, et elle reçut son état du roi. Par Rolf Poulenoir, peintre écossais qui demeurait à Tours, elle fit faire son étendard. Et là, vint vers elle frère Jean Pacquerel, qui s'en retournait du pèlerinage depuis. Où était aussi Isabelle Romée, mère de Jeanne, qui l'avait priée de rejoindre sa fille. De Tours, Jeanne alla en la ville de Blois, où se rassemblaient les soldats de l'armée du roi. Mais, sans attendre qu'ils soient prêts, elle décida d'aller à Orléans, en compagnie d'hommes d'armes. Et cette compagnie, dès ce moment-là, avait grande confiance en elle. Pas l'air content. Les étendards. Bien quoi ? Les a peignés, brossés, ils se voient de loin. Ils flottent par l'ouest, voilà quoi. Et c'est comme ça depuis 2 semaines. Notre gentil sire se bouge enfin le cul. Il nous envoie des hommes, des vivres. Le vent dit non, ils n'entreront pas dans la ville.
Ça veut dire qu'on est là pour rien. Pour rien, non. Pour prendre acte. Pour rendre grâce au roi qui se décide à nous porter secours. Je doute de tout secours. Même venant du roi. Alors d'une fillette. Fillette peut-être, mais qui sait se tenir en selle. D'Orléans ? Oui, je le suis. Je me réjouis de votre arrivée. Moi, je ne me réjouis pas. C'est vous qui avez donné l'ordre que je vienne ici, de ce côté du fleuve ? Et pas tout droit, là où sont Talbot et les Anglais ? Moi et d'autres. Comme le seigneur Goncourt, que voici. Tout droit, vous auriez été sous leurs flèches. On a tenu conseil. C'est ce qui nous a semblé le plus sage et le plus sûr. Oh non, Dieu. Le conseil du Seigneur notre Dieu est plus sage et plus sûr que le vôtre. Vous avez cru me tromper. Mais c'est vous-même que vous trompez. Je suis là pour vous porter secours. Un secours meilleur que celui d'aucune armée. Le secours du roi des cieux. C'est par amour pour vous qu'il nous l'envoie ? Non, par amour pour moi, mais à la demande de Saint-Louis et de Saint-Charlemagne. Parce qu'il a eu pitié de la ville d'Orléans. C'est un grand réconfort. On ne savait justement plus à quel saint se vouer. Fais le dégoûté. Jeanne est un signe du ciel. Et en plus, elle t'apporte des témoignages terrestres, des viandes et du blé. Le malheur, c'est que tout va pourrir ici. Comment ça, tout va pourrir ? Votre conseil ne vous l'a pas dit ? Nos bateaux sont en panne. Le vent souffle où il veut, et il nous est contraire. Tant qu'il souffle de l'est, vers la mer. Donnez l'ordre aux gens d'Orléans. Faites venir les bateaux. Joli penant. C'est une annonciation. Vous ne voyez pas que c'est Notre-Dame, avec un ange qui lui présente un lys ? C'est bien ce que je disais. Très beau. On avait chargé en la ville de Blois plusieurs chars et charrettes de blé. Et force bœufs, moutons, vaches, pourceaux et autres vivres. Et nous avions pris notre chemin, guidés par le seigneur Gilles de Laval, qui témoignait grande dévotion pour la Pucelle. Je le savais, tu es de Dieu et non des hommes. Missus est Angelus, Domini Sanctus Raphaël, ut curare et nos. Tu es l'ange Raphaël envoyé pour nous sauver. Donne ta main. Arrête. Je ne suis rien de tout ça. Jeanne ! Venez avec moi. La nuit va tomber. Toute la ville vous attend. Ils veulent vous voir, vous toucher. Alors on va pas déloger les Anglais ? Je sens qu'on va se plaire, tous les deux. Si tu peux apprendre la patience. La Pucelle entra ainsi dans Orléans. Moi me tenant à sa gauche. Et vinrent la recevoir les autres gens de guerre, bourgeois et bourgeoises de la ville d'Orléans, portant grand nombre de torches, et faisant telle joie comme s'ils avaient vu Dieu descendre parmi eux. Il y avait merveilleuse foule et presse à la toucher. Tellement que l'un de ceux qui portaient les torches s'approcha tant d'elle que le feu se prit à son pennon. Alors, elle frappa son cheval des éperons
et le tourna tout doucement jusqu'au pennon dont elle éteignit le feu, comme si elle eût longuement suivi les guerres. Ce que les hommes d'armes tinrent à grande merveille, et les bourgeois d'Orléans aussi, qui par très grand honneur la conduisirent à travers la ville jusqu'en la maison de Jacques Boucher, alors trésorier de la ville d'Orléans. Mais repose ça tout de suite. Une fille ne doit pas jouer avec le harnais des hommes. Je me demande comment vous avez la force, Madame Jeanne. Tous disent que vous êtes comme un saint chevalier, si droite, si altière. Est-ce vrai que tu vas chasser les Anglais? Charlotte, tu vois bien que Madame Jeanne est lasse. J'espère qu'il n'y aura pas de charivari et que vous allez bien dormir. Mon mari est si fier de vous avoir chez nous, si vous saviez. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous le touchiez. Pourquoi faire? Pour qu'il soit bon, Madame Jeanne. Donne-le à Charlotte. Il sera tout aussi bon de s'en toucher que du mien. Tu vois que je ne suis pas aussi mauvaise que tu l'as dit. Et tu te couches sans faire de raison? On fait toujours notre prière du soir, avant de s'endormir, toutes les deux. Alors nous la ferons toutes les trois. Avec Dagobert? Dagobert, il est parti se cacher. C'est le chat. C'est mon chat. Que faut-il encore? Des traits pour les arbalètes. Combien? Une dizaine de milliers. Voire une vingtaine. Il faut ça. C'est lourd pour la ville. Le roi ne peut pas contribuer un peu? Le roi? C'est Job sur son fumier. Si je devais compter sur ses finances, autant que je reste ici. Item. Pour, disons, 15 000 traits d'arbalète, ou environ 500 livres tournois. Et de la poudre. Et du plomb pour les couleuvrines. Item. En avance de poudre, salpêtre et mitraille, y compris les sacs et les poches. 250 livres. 300. Je ne peux pas faire plus. Il faut aussi nourrir ceux qui sont dans nos murs, ça n'est pas facile. Je ne peux pas faire plus. C'est pour vos sauveurs que je parle. C'est ce qu'on espère. 275. Quand revenez-vous? Quand j'aurai rassemblé le tout. Les munitions, les vivres et les hommes, avec l'aide du roi. Qu'il vous la donne. Signez, là. Il faut faire quelque chose. Faire quelque chose pour quoi? Pour qui? Merci. Je n'ai plus de messager.
Les Anglais les retiennent prisonniers. Ça ne se fait pas. Je vais leur envoyer une sommation. N'aie crainte, ils vont les rendre. Bien. De quel côté allons-nous faire l'assaut demain? D'aucun côté. Parce que nous n'allons pas faire d'assaut demain. C'est pas vrai. C'est pour m'éprouver. Qu'est-ce que je te dis? Prends patience. Je retourne à Blois, chercher le reste de l'armée. Quand je reviendrai, on agira. Pas avant. Et pourquoi je suis là alors? Pour m'attendre. Pour me servir. C'est moi qui suis en charge de cette ville. Et j'entends que tous m'obéissent. Toi comprise. Quand bien même Saint-Michel, Sainte-Catherine, Saint-Louis et Saint-Charlemagne te diraient d'aller seul sur l'ennemi. Voici mon ordre. Au nom du roi, ne fais rien d'ici mon retour. Sinon manger, boire et dormir. Ce qui te fera le plus grand bien. Bonsoir. Christ, mon beau pourpoint. Qu'est-ce qui t'arrive? Signe-toi, tout de suite, devant la croix. Quoi? Parce que j'ai accroché mon pourpoint? Parce que tu as juré. Pardon. Ça m'a échappé. Je le ferai plus. Tu dis ça à chaque fois. On dirait que vous êtes tous ligués pour me faire perdre courage. Mais vous n'y arriverez pas. De quoi tu parles? Je ne suis ligué avec personne. Je suis ton frère. Raison de plus. Si je t'y reprends... Fais voir cet accroc. C'est rien. Allez, fiche le camp d'ici. Tu ferais mieux de t'esquiner un petit peu avec Louis. Tu tiens ton épée comme un manche. Bien, mon capitaine. À vos ordres, mon capitaine. J'ai pas envie de rire, voyou. Et d'abord, va te confesser. Bouche souillée. Triple pénitence. Tu feras maigre toute la semaine. Oh, des clous. Arrête, tu me fais peur. Ma parole. Si les Anglais le voyaient, je te jure qu'ils plieraient bagage vite fait. Et sans combat. Tu as le feu de l'enfer dans les yeux. Arrête. Dis pas ça. Dis jamais ça. Même pour rire. Jeanne. Pardon, quoi. Jeanne, nom de... Nom d'un petit bonhomme en pain d'épices. J'ai pas voulu te faire de peine. Je te demande pardon, je le ferai plus. Tu dis toujours ça? Qu'est-ce qu'il lui en fait? On l'a trouvé comme ça. Il était à la porte. Mais regardez comme il a faim. Le pauvre. C'est les Godons qui l'ont arrangé comme ça. Ils n'ont pas aimé votre message. Aiguillenne, où est-il? L'autre. Ils l'ont gardé. Ils veulent le brûler vif. Ils peuvent pas faire ça. On n'a jamais vu ça brûler un messager. Tenez. Voilà la réponse à votre message. Vous pouvez le lire? Je sais pas. De Talbot, chef d'armée, à celle qui se dit la pucelle. Tu n'es qu'une ribaude, et comme telle, nous te mandons, sous peine qu'on te brûle et fasse ardoir, de retourner garder les vaches. C'est court, mais c'est précis. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ouvre-moi ça. Clacidas! Clacidas! Qui appelle?
C'est la pucelle. En nom de Dieu, je vous somme de partir. Je crains qu'ils n'entendent mal. Tu as besoin d'une voix? Ne crains rien. Avec l'Aïr, ils vont entendre. Dis-leur qu'il lève le siège, de par le roi du ciel. Ou bien je le jetterai dehors, alors bien grand dommage. Vous avez intérêt à mettre les voiles! Bande de sages à cul rouge! Dis-leur ce que j'ai dit, et rien d'autre. Vous avez intérêt à partir! De par le roi du ciel. De par le roi du ciel! Sinon, on vous fout dehors avec perte et fracas! Ça va comme ça? À peu près. Vous mentez! Ils ont compris le message. Inutile de s'attarder. Pourquoi ils me parlent comme ça? Moi, je les ai pas injuriés. Non. C'est l'Aïr qui a fait un peu de zèle. Alors, c'est vous, l'Aïr? C'est vrai ce qu'on dit de vous? Que là où vous passez, l'herbe ne repousse plus? Non, ça c'est un autre. Moi, je fais seulement la guerre. Avec moi, il faudra la faire autrement. Quand elle parlait à Classidas et aux autres Anglais qui étaient dans les tourelles, Jeanne était au petit fort de Bellecroix, au milieu du pont, entre la ville et la rive sud où étaient les Anglais. J'ai besoin que tu m'aides. Je suis là pour ça. Tu veux que je t'entende en confession? Non, pas toutes les deux heures. Je veux que tu m'apprennes à signer mon nom. Tous les chefs de guerre le font. Je veux pouvoir signer de ma main. C'est ça ma signature? Oui. Donne-moi la plume. Je la tiens comme ça. Comme ça. Maintenant, tu n'as qu'à imiter le trait comme un dessin. Jeanne, c'est un nom simple. Si je devais signer le bâtard d'Orléans, je sais pas comment je ferais. Ton hache. Quoi, mon hache? Boucle-le. Comme ça. Ça sert à quoi, ce H? À rien. C'est comme une lettre muette. J'en ai combien de lettres muettes dans mon nom? Trois. Là, là et là. Pas joli, joli. Ton J, plus long. Elle recommence. Allez, encore une fois. Du blé, de l'avoine, et pour l'armement, je vois rien. Les comtes de forteresse,
C'est là. Tout ça sont les armes. Les armes? On se bat en ce moment? On se prépare, Madame Jeanne. On se prépare. Tout le monde y croit maintenant. Agent volant, pour 11 journées de charpentier et 14 journées de maçon qui ont travaillé à mettre le canon de Montargis à la tour des vergers de Saint-Sanson. 101 sous, 4 deniers. Un raoulet de recours pour une allose présentée à la pucelle. 20 sous parisis. Pas depuis le siège, forcément. Tout est cher. Les hommes, le bois et même le poisson. Combien de canons? Combien de livres de poudre? Je veux bien boire encore un peu. Lis que je me rende compte. Jean le maçon pour corde à arbalète par lui faite pour la ville. Hermine ! Ne reprends pas celui-là, il est un peu piqué. Il est piqué, mais enfin, j'ai rien remarqué. Tiens, je te rejoins. Et au fait, la lose, je la fais frire ? Attends un peu. Elle ne mange presque rien, cette fille. Je ne mangerai plus tard. Si elle n'en veut point. Oh, elle n'est pas perdue pour tout le monde. N'aie pas peur. Pour un sas à sasser de la poudre, 10 sous parisis. À 5 hommes qui ont battu les poudres, à raison de 2 sous, 8 deniers parisis chacun par jour. À Jean Mahé, pour don fait à 3 Écossais blessés pour leur aider à vivre, 48 sous parisis. À Charlot le Long, pour 3 paires de houseaux et 3 paires de chausses pour le frère de la pucelle. Passons. Oui, passons. À Jacquet Compin, pour avoir tiré un traversin par la rivière avec des pierres à canon. 5 sous, 3 deniers par ici. Bah, il y a des braves gens dans cette ville. Mmh, merveilleux. Vous avez entendu parler de Jean le Couleuvrier? Celui-là. S'ils étaient tous comme lui, il n'y aurait besoin de personne. Je dis pas ça pour vous, Madame Jeanne. D'ailleurs, il est lorrain, il est de Monteclair, c'est tout près de vous. Il en a fait, avec sa couleur virine. L'hiver dernier, il se mettait sur le boulevard des Belles-Croix. Et puis, il leur tirait dessus, mais tellement qu'il en a tué, qu'il en a blessé. Enfin, je peux pas vous dire combien. Et puis, sous les flèches, il faisait le mort. Alors on l'emportait. On entendait les Anglais qui criaient de joie dans leur Bastille. Et puis ils revenaient, et poum! Oh, il mettait pas longtemps à comprendre que c'était lui. Maïr, je cherche mes pages, Raymond et Louis. On dit qu'ils sont ici. Approche. Et prends-en de la graine. En avant! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils faiblissent ou quoi? En avant, tout est à vous! Alors, Pucelle, lequel est le tien? Celui qui est devant, avec les cheveux rouges, c'est Raymond. Capodoro! C'est mon favori! 10 livres au tournoi qu'il est le premier sur l'île! 20 livres sans tête noire! C'est le mien! Tenu! Allez, Capodoro, à l'avant! Les Britons à la baille! 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 Hé! Tête de fille! Leur guerre. Mais ils saignent. C'est rien! Il a eu peur! Raymond en a touché 2! Ah, vive Raymond! Vous avez mal joué.
Pas si mal. Allez, vas-y, tête noire! Un grip au capodoro! 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 Louis! Couvre-le! En avant! Toi, le bleu, attaque à droite! Vas-y, plus loin! Mais le blanc, mais reste pas derrière! Drive, un livre. Tu peux attendre demain? Jeanne. Retire de mes yeux ces vilaines choses que je vois la nuit. Je suis Jeanne. Que veux-tu? Voilà deux nuits que mon fils n'est pas rentré. Il est parti avec les soldats. C'est encore un enfant. Si ton fils est parti avec les soldats, c'est bien. C'est un bon garçon d'Orléans. Ils sont à leur besogne. Dès que nous aurons chassé les Anglais, il te reviendra. Jeanne, j'aurais aimé avoir un fils comme toi. Mais s'il se bat, il est comme moi. Va, sois sans crainte. Comme ça. Les enfants quittent leur mère. Jésus aussi l'a fait. Faut bien. C'est étrange que tu dises ça. Pourquoi? Je ne voulais pas te le dire. Maman ne voulait pas qu'on te le dise. Maintenant, tu fais route avec moi. C'est père. Dans son sommeil, il t'a vu près du bois chenu. Tu partais sans te retourner. Tu partais pour toujours avec une bande d'hommes tout en armes. C'est presque ça. Mais après, il a dit à Jean et à moi que si jamais ça devait arriver pour de vrai, il faudrait qu'on aille tous les deux te noyer dans la Meuse. Tu l'aurais fait. Il a dit aussi que si on n'en avait pas le courage, c'est lui qui le ferait. Tu en as déjà vu des noyés, toi? À Serres. C'était dans les eaux gelées près de Buret. Il était tout gonflé comme une outre pleine. Mais d'anglais, j'en ai encore jamais vu dans cet état. Va. Et avant de t'endormir, prie pour que Père soit en confiance. Le mercredi, quatrième jour de mai, revint le bâtard d'Orléans avec les soldats et les vivres qu'il était allé quérir à Blois pour le renfort de la cité. Aussitôt qu'elle apprit leur venue, la Pucelle monta à cheval et avec ses gens alla au-devant d'eux pour leur porter secours, si besoin eût été. Et à la fin du jour, l'armée rentra ainsi dans la ville, au vu et au su des ennemis, sans empêchement quelconque. Tu t'es déjà battu, Louis ? Non, Madame Jeanne, jamais. C'est pour demain. Demain? Non, demain c'est l'Ascension. Tu voudras pas te battre le jour de l'Ascension? Moi je fais comme vous dites. Tu peux aller dans ta chambre. Pas trop posé.
Réveille-toi. Allez. Ah, sanglant garçon. Tu me disais pas que le sang de France est répandu. Quoi? Le sang de France? On se bat. On se bat. On se bat, mais je sais pas où. Allez, debout. File. Va armer mon cheval. Vous voulez pas que je vous arme? Non, j'ai pas le temps. File. Allez, Pierre. Lève-toi. Dépêche-toi. On se bat. Debout. Arme Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on se bat. Mon conseil me dit d'aller contre les Anglais. Pouvez-vous m'attacher mes pièces d'armure? Charlotte, va chercher les jambes. Non, c'est l'autre jambe. Ça vous fait mal? Non. Ce qui me fait mal, c'est de ne pas être déjà là-dedans. Mon épée. Mon épée. Louis, mon étendard, où est-il? À quoi penses-tu? C'est à Saint-Loup, devant la porte de Bourgogne. Qui attaque? Les Anglais ou nous? C'est nous, on a décidé de le prendre. Je ne sais pas qui a donné l'ordre, sans doute personne. Louis, passe-le par la fenêtre. Par la fenêtre, là. Ne pleure pas, Jeannette. Ils sont anglais. J'ai jamais vu. Ce n'est pas beau, c'est la guerre. C'est horrible. La journée est à nous. Oui. La journée est à nous. Bénissez-les, Seigneur. Recouvrez-les de votre pitié. Prenez-les dans votre sein. Amen. Cette nuit, on dormait. Ils ont dégagé la porte de Bourgogne. Et on n'en profiterait pas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils sont tous de l'autre côté. Justement. Attaquons par l'ouest. La porte de Paris. Le camp principal, à 1 contre 50. Tu rêves debout. C'est du suicide. Non. On y revient toujours. La rive sud. Les tourelles,
la Bastille du bout du pont. Impossible. Là aussi, nous sommes trop peu nombreux. Qui dit qu'on est trop peu nombreux? C'est moi, Gaucourt, qui le dit. Et beaucoup pensent comme moi. Tu es venu. J'ai été armé par le dauphin. C'est pour quoi faire? On te croyait en oraison. C'est l'ascension? Tu as dit que tu ne faisais rien. J'ai communié. J'ai été à mon conseil. Est-ce une raison pour m'écarter du vôtre? Que craignez-vous de moi? On ne veut pas d'une aventure. Vous êtes là depuis 4 jours. Nous, ça fait 6 mois que l'on endure ce siège. Qui vous parle d'aventure? Je suis là pour combattre. Les soldats me suivront. Ils obtiendront ce que ailleurs ils ont obtenu. Dis-moi où aller. Je te suis. C'est moi qui ai ici le plus de lance. Jeanne, Gaucourt n'a pas tort. Il y a plus d'Anglais autour de nous que le rat dans les rues de la ville. Je le sais, j'en ai bouffé. Des Anglais? T'aurais dû m'inviter. Ils sont 5 fois plus nombreux que nous. Et ils attendent encore des renforts. Un de leurs plus grands capitaines, un nommé Fastolf. Je sais qu'il était hier à Jeanville. Et tu me cachais ça? Bâtard, bâtard. Je te le commande au nom de Dieu. Quand tu connaîtras où il arrive, que tu me le dises aussitôt. Car s'il vient sans que je ne le sache, je te promets que je te fais ôter la tête. J'ai très peur. Tu le sauras. Par le sang du Christ, on les crèvera! Tous! Vous, taisez-vous! Vous en pestez l'air avec vos blasphèmes! Si je vous entends encore jurer le nom de notre Seigneur, par mon bâton, je vous fais couper en 3! Et comment tu vas faire, Laïr? Faudra te mettre une muselière? Ah, ça t'ira bien! Toi, ta gueule, tu me dois 20 livres. Par le sang et la morve! J'ai besoin de jurer, je sais pas parler sans ça. Dis comme moi, par mon bâton. Ça suffit bien. Par mon bâton, les hommes voient le plier. Eux aussi. Je veux qu'ils soient blancs comme lys. Vous voulez vaincre? Alors soyez purs. C'est la nouvelle que je vous apporte. Ne ris pas. Écoutez-la. C'est par nos péchés que nous avons été défaits. Et elle, elle est notre rédemptrice. Je suis bien d'accord. Mais nous sommes là pour agir. Où en étiez-vous? Ici. Si on réussit à reprendre les tourelles, la Bastille du bout du pont, on dégage la route du sud. Et leur siège est désorganisé. Il ne faut pas rêver. Explique-moi. Ils sont plus de 300 là-dedans. Tous armés jusqu'aux dents. Avec à leur tête Clasidas, qui est un porc mais pas un âne. Et là, devant, le fort des Augustins. Devant encore, Saint-Jean-le-Blanc. On n'arrivera pas jusque-là. On y arrivera. L'île aux toiles, l'île aux bœufs. Ce que nos pages ont fait, on doit être foutu de le faire. Par le cul, si. Par mon bâton, si on ne prend pas ces bougres par le revers, je me fais moine! Qu'en penses-tu? C'est un gros risque. Je ne sais pas combien ils sont, là. Eh bien, comme ça, nous le saurons. Où vas-tu? Leur annoncer la nouvelle. S'ils ne s'en vont pas gentiment, ils auront tel désastre
qu'on en gardera éternelle mémoire. Attends, ajoute quelque chose. Et en plus, j'aurais pu vous envoyer ma lettre plus honnêtement. Mais vous détenez captif mon héros Guyenne. Veuillez me le rendre. Et je vous rendrai certains de vos gens pris à Saint-Loup, vu qu'ils ne sont pas tous morts. Permettez-moi, Madame John. Lisez ! Ce sont des nouvelles ! Lupin, a letter from the hall. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je sais pas. Des nouvelles de la putain ! La putain des Arméniacs! La putain de les Arméniacs! Ce n'est pas vrai! Je ne suis pas ce que vous dites! Allons, calme-toi! Mais pourquoi? Je préférerais qu'ils me jettent des pierres plutôt que des mots comme ça. C'est justement pour ça. Te montre pas comme ça, allez, viens. Vous avez mal fait! Vous en serez punis! Ils le savent maintenant. Le lendemain, comme il en était décidé, la Pucelle et nos gens sortirent de la cité pour passer en certaine île de la rivière de Loire. Et pour franchir l'autre bras de la rivière, ils amenèrent deux bateaux, dont ils firent un pont, pour aller en la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc. Nous la trouvâmes toute déserte, parce que les Anglais, dès qu'ils aperçurent notre venue, se retirèrent en une plus forte et plus grosse Bastille. Celle des Augustins. Et nous les poursuivîmes jusqu'à cette Bastille. Les Augustins. Et là furent pris et tués la plupart des ennemis. Ceux qui purent se sauver se réfugièrent au pied du pont, en la Bastille des Tourelles. Et nous demeurâmes devant la grosse Bastille, avec la Pucelle, toute cette nuit. Ceux d'Orléans faisaient grande diligence pour nous porter toute la nuit pain, vin et autres vivres, aiguiser les haches, amener les torches, coudre les sacs et préparer les échelles. J'ai souvenir d'avoir payé 2 livres pour un faisan et un tonneau de vin présentés à la Pucelle,
car elle qui jeûnait le vendredi, ayant été très fatiguée, elle dîna ce soir-là. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Mon père, tenez-vous toujours auprès de moi. Ne crains, Jeanne. Tu n'as pas assez dormi? Mon cheval a dormi pour moi. Je crains pour vos pieds, mon père. Dieu m'a fait aussi pauvre que les plus pauvres, mais tout de même, je n'ai pas les pieds nus. Oui. Tu prendras bien soin de mon étendard. Qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien. Non, non, madame Jeanne. Ça va. Tu parles. Il a eu la chiasse toute la nuit. Je t'ai rien demandé. C'est pas vrai. Je vous assure, vous pouvez compter sur moi. J'en suis sûre, Louis. Toi, on verra si tu ris autant tout à l'heure. Mais je ris pas. Regarde comme cette eau est pure, Jeanne. Elle est comme toi. Pure et transparente. Tu as été touché? Par une flèche? Par la grâce divine, tu veux dire. Il se prend pour un reliquaire. C'est une relique, en effet. Un morceau de la vraie croix sur laquelle est mort notre Christ miséricordieux. Touche. Touche, avec ça, tu es invincible. Tu ne me crois pas? Ça vient de Terre Sainte, pourtant. Tu l'as acheté, ça aussi? 30 000 écus d'or à un marchand lombard. C'est trop peu. Viens ici, avec moi. On laisse le premier assaut aux gens de pied. S'il passe, on s'engouffre. Pas avant. J'ai compris. Et après? Nous recommencerons. Autant de fois qu'il le faut. Et moi, je dis, en nom de Dieu, on entrera cette nuit en la ville par le pont. Bâtard. Je tiens à être du premier assaut. Tu en es. Seigneur Dieu, fais pour l'Aïr ce que tu voudrais que l'Aïr fasse pour toi, si tu étais l'Aïr. Et que l'Aïr était Dieu. De qui parles-tu? C'est rien, c'est ma prière à moi. L'Aïr. Quoi? Trouve-moi une raison. Thank you.
viens me donner un coup de main? J'arrive. C'est bon. Va lever un petit peu au bout là-bas. C'est bon. On fond de terre du solide, les gars. Hein. Tout à l'heure, il y a 10 personnes qui grimpent là-dessus. Hein. Je vous en supplie. Pierre ? Où est Pierre ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Faire mal. Serre les dents. Va chercher de l'huile d'olive. Mettez-le, Madame Jeanne. Mettez-le dessus, ça arrête le sang. Qu'est-ce que c'est? Une dent de mort, un charme. Non, non. Des charmes, j'en veux pas. Je préfère mourir. Vous n'avez rien de mieux à faire? Pas de feignant. Allez, en arrière. Vous avez jamais vu un blessé? C'est sérieux? Non, non, je crois pas. Ça saigne, mais il n'y a rien de touché. Vite! J'ai l'impression que je perds tout mon sang. Calme-toi. Ne t'agite pas. Respire doucement. Ça va mieux? C'est horrible. Pierre, j'ai froid. C'est grave? Non, non, ça va, ça va. Pierre, tu crois?
crois que je vais mourir. Non, tu vas pas mourir. Dites-moi, mon père, vous croyez que je vais mourir? Non, tu vas pas mourir. Quand vous aurez fini, laissez-nous seuls. Il y eut encore plusieurs assauts. Mais sans le secours de Jeanne, nos gens étaient sans force et sans courage. Tandis que les Anglais se réjouissaient fort, tous certains qu'ils l'avaient tué. Qu'est-ce qui se passe, bâtard? On s'arrête? Et ta blessure? Je peux bouger le bras. Réponds-moi. On se retire? On a perdu beaucoup d'hommes. Ils sont épuisés. Il faut s'arrêter. Mais la journée n'est pas finie. Regarde. Le jour va tomber. Regarde-toi. Tu ne vas pas tenir. N'aie crainte, on reprend demain. Demain? Tu as raison. Tu as raison. Il faut reprendre des forces. Reposez-vous. Buvez, mangez. Mais que personne ne s'en aille. Demande-leur d'attendre. Attendre quoi? Donne-moi un peu de temps. Catherine, Sainte Marguerite, Grand Saint-Michel Archange, patron de ceux qui se battent. Je ne sais plus. Je n'ai plus de force. J'ai mal. J'ai envie de vomir. Le sang de France coule. Faut-elle lui faire couler encore? Ils veulent arrêter. Toujours arrêter. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi leur dire. Dites-moi le mot. Je ne sais plus les mots. Dites-moi quel mot leur dire. Dites-moi le mot. Montrez-moi le signe de divin secours. Je vous ai toujours obéi. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Répondez-moi. Je vous en supplie. Répondez-moi. Pas le tenir plus droit, non? J'en peux plus, je garde mes mains. Hé, hey, toi! Tu reconnais ça? Tu vas me le tenir bien haut, hein? Qu'on le voit. Comme ça? Non, mieux que ça. Plus haut! Donne-lui du mouvement! Il faut que tout le monde le voit! T'es fatigué ou quoi? Moi? Je suis basque, alors il m'en faut un peu plus! Hé, hey, toi! T'es l'intendant de la Pucelle? C'est vrai ce qu'on dit?
qu'elle est morte. Mais non, pas du tout. Tout à l'heure, elle sera avec nous. Ça me fait mal au ventre qu'on arrête. Ah, ils doivent rigoler là-dedans. Occupe-toi de ton étendard. Tiens-le plus haut, mets-le dans la lumière. Là. Hé. Hey. Et si on allait leur montrer de plus près, pour voir s'ils rigolent moins. Tu t'en sens? Comme ça, tous les deux? Ben, t'es basque ou pas? Hé hey, quand tu feras les comptes de la journée, n'oublie pas. Promis, mais tu ne lâches pas, hein? Promis. Promis. Je veux l'entendre claquer dans le vent. Allez, va, près du pont, va. Ton épaule, ça va, Jeanne? Ça va. Tenez-vous de garde. On va y retourner. Déjà? Cette échelle-là, c'est vous deux qui la prenez? Ouais, mais pas tout seul. Jeanne! Tenez-vous prêt. Quand le bois de mon étendard touchera la muraille, allez-y. Tout sera vôtre. Oui, mon étendard. Qu'est-ce que tu as fait? Mais Olon m'a demandé... Là, ce que tu m'avais promis, tu les veux, tes sous ou pas?
Je peux vous préparer une bonne omelette, Madame Jeanne, avec des herbes. Non, merci. J'ai plus faim. Il faut faire comme les autres, manger, se reposer. Parce que demain, les godons, après ce que vous leur avez mis, ça va être terrible. Le chirurgien a dit qu'après tout ce que vous avez fait, il faut bien manger et beaucoup dormir. Il a dit que c'est un miracle. Il a dit que grâce à vos paroles, les capitaines n'ont eu qu'à s'avancer. C'était comme s'ils avaient monté les marches du ciel. Et puis, il a aussi dit quelque chose sur la grâce de Dieu. Ah oui, il a dit que seule la grâce de Dieu pouvait les avoir fait agir ainsi. Mais remue-toi ! Va chercher son frère, vite !